Médical. Arrêt imminent, pôle médical. Laboratoire de chimie. Attends. Du laboratoire de chimie, tu dis? Je t'entends à peine. Médical s'est verrouillé derrière moi. Tu me reçois? Un autre survivant. Enfin. Vous êtes en sécurité ici. Je suis médecin. Nicole Brennan est avec vous? Vous n'êtes pas venu ici vous réfugier. Eh bien, la docteur Brennan est occupée. Habilitation confirmée. Je vous conduis jusqu'à elle? Déverrouillez cette porte plutôt, que j'aille la chercher moi-même. Vous êtes inconscient. Vous risquez de laisser entrer quelque chose. Où sortir? Merde. Je vois. Vous avez décidé de résister. Asseyez-vous. Je m'occupe de vous dans un instant.
éviter de déranger mes autres patients. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la recherche, bien entendu. Je suis à deux doigts de trouver le facteur manquant. Un unitologue comprendrait. Journal de patient retrouvé. Alors, je dois m'enregistrer ces temps-ci. C'est la vieillesse, n'est-ce pas ? Comme je disais,
Le nouveau traitement que je développe devrait fonctionner. Les essais sont très prometteurs. Des essais ? Vous serez vite de retour à votre poste. La CEC n'en saura rien. À moins que vous ne doutiez de moi. Non, bien sûr que je vous fais confiance. On peut essayer. Le neuvième volontaire est un jeune homme qui teste ma nouvelle formule de régénération des tissus. Il va mourir dans l'heure, mais les changements au niveau du système vasculaire sont très prometteurs. Il faut nettoyer ça. Pour la dernière fois, j'ai besoin d'une équipe de traumatos ici. Oui, j'ai appelé. Trois fois. Mon patient me lâche. Alors terminez la post-clope et venez m'aider. Est un sanctuaire. À tous les survivants, venez nous rejoindre. Ici l'officier de en chef, la docteur Nicole Brennan. Le pôle médical est un sanctuaire. Contournement de la transmission du vaisseau, Isaac Clark. Je me suis fait rouler. Isaac. Isaac. Ne faisons plus qu'un. Isaac Clark. Ah oui. La douce moitié de la docteur Brennan. Nous étions collègues, vous savez. Docteur Chalus Mercer. Êtes-vous la raison qui empêche le monolithe de commencer? C'est ça. La convergence n'est pas retardée. Il y a ingérence. La question est comment? Mais même si je vous posais la question, je suppose que vous ne me diriez rien. La cause de la mort est un facteur qui avait échappé à mes calculs. Le démembrement. Je crois que nous tenons quelque chose. Essayez de vous détendre, Monsieur Clark. La convergence est si proche. Peut-être que votre mort fera pencher la balance. Thank you.
Isaac, la transmission de Nicole. C'était une ruse d'un putain d'unitologue. Le docteur Mercer. Il a confiné le pôle médical pour faire des expériences sur l'équipage. Oh, merde. Tous les accès sont verrouillés depuis un des bureaux. Sûrement celui de Mercer. Tu peux forcer les portes internes, mais tu devras rejoindre son bureau et faire sauter le verrouillage manuellement. Journal d'intervention, Dr Chalus Mercer. Quel dommage. Quand j'ai commencé mes recherches, les observations de Terenskine sur le Bonavis. Maintenant, il en est réduit à envoyer des petites missiles de ce genre. Espèce de bouteille. Et je sais qui c'était avant. Cette régénération cellulaire, bordel, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis d'accord avec Amelia. Si c'est ça la mythologie, je ne peux pas en faire partie. Mon diagnostic, le pauvre Terence souffre de la même démence qui a frappé la colonie d'Aegis 7. Amelia, par exemple. La seule Amelia qu'il ait mentionnée était sa femme. Et Amelia Kine est morte il y a 7 ans. Journal d'intervention du docteur Chalus Mercer, 5e essai sur la régénération des tissus. Ces enfants du monolithe, les nécromorphes de Kine, ont fourni toute la matière dont j'avais besoin. Et le variant infectieux a révélé une information clé. L'implantation du matériau directement dans le cerveau donne des résultats optimaux. Bien sûr, cela nécessite de percer l'os frontal juste au-dessus de la glabelle. Pas d'inquiétude, c'est stérilisé.
protocole de fermeture des portes corrompu. Redémarrage du système. Veuillez patienter. Qui est là ? Nom de Dieu ! Tenez bon, je peux vous aider. Pas moi. Sauvez les cultures en sang. Oh, crève tous. L'héritier, mais il est encore temps. Son ancien marchera si... Il lui faut juste de la chute liquide. Sauvez-nous. Merde, il avait raison. La qualité de l'air se détériore dans tout le vaisseau. Quelque chose empoisonne l'air au niveau des cultures hors sol. Si on perd notre approvisionnement en oxygène... Il a dit qu'on pouvait y remédier. Il cherchait de l'azote liquide. Et il doit y en avoir dans le laboratoire de cryogénie. Ok. On n'a pas d'autre choix, de toute façon. Je trouve un passage jusqu'à la cryo. Protocole de fermeture des portes redémarré. Merci d'avoir patienté. Depuis la salle des cultures hors sol. Si l'air est déjà aussi vicié... Je dois faire plus vite pour aller à la cryogénie. Je vais ouvrir l'autre porte du laboratoire de chimie. Ça devrait t'y emmener directement. Je n'ai jamais montré autre chose que de la courtoisie à la docteur Brennan. Pouvez-vous en dire autant? Moi, je peux dire que je suis pas un putain de meurtrier. En parlant de courtoisie... Est-ce que je dois vous remercier pour la remise en route des moteurs de l'Ishimura? Notre retour sera... réellement divin. Je doute que même vous parveniez à stopper une convergence alimentée par toute la population de la Terre. Si ces choses débarquent sur Terre, tout est seulement fini. Pour les infidèles. L'humanité ne fera plus qu'un, monsieur Clark. Avec ou sans vous.
Et je vois que vous avez choisi votre camp. Isaac, ça va? J'ai arrêté ce chasseur. Mais Mercer s'est barré. Il veut emporter ses choses sur Terre, Kendra. Tu dois sceller le poste du capitaine et prévenir Hammond. Ok, je peux bloquer l'accès au poste, mais j'arrive pas à joindre Hammond depuis qu'il est parti au pont d'équipage. Isaac, la qualité de l'air se dégrade rapidement. Si t'as de l'azote liquide, va réparer la salle des cultures hors sol. Je m'en occupe. Continue à essayer de joindre Hammond. Mercer, je crois pas qu'on en ait fini avec lui.